Coucou, bienvenue, bah, comme tout le monde, Poké, lune et soleil, et j'ai quoi déjà moi? Oh, bah, j'ai lune. Donc j'essaie de mettre un peu l'écran, voilà. Est-ce qu'on peut... mettre un peu le jeu? Voilà. Allons-y. Alors je sais pas, j'ai pas de 3DS capture. Je suis pas là pour ça. Je fais juste le jeu parce que j'en ai envie et je me plais. Donc voilà. Hop. Je vais rapporter que je mettrai son dans mes oreilles. On verra. Bonsoir, bonsoir. Alors tu es prêt pour ton grand déménagement à Alola. Alola. Oh, c'est Alola, ok. C'est une région composée de plusieurs îles et un archipel en somme. Ok. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Ouais, possible. Ah ouais, j'arriverai jamais à dire ça. Alola. Alola, ouais. Alola. On a tout plein de Pokémon vraiment cool. Ce sont de drôles de bestioles ces Pokémon. On trouve vraiment... Oh tiens! Un Wurpwurf. On l'en trouve vraiment partout. Du ciel à la mer en passant par les grottes et les hautes herbes. À Alola, j'y arriverai jamais. Hein. L'entraide, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux la relation entre un homme et les Pokémon. Il y a même les dresseurs Pokémon, bon, heureusement, je suis là pour ça. Disputer des combats, c'est leur hobby, ok. Ah, Rokabo il s'appelle, ok. Je dois faire quelque chose d'important, je m'occupe de toi après. Bon, le pauvre toutou. Enfin bref. J'ai besoin que tu me confirmes d'autres trucs. Quoi donc? Ah non, déjà, tu sais même pas qui je suis. Ok, super. J'ai que ça comme choix. Je suis qui là? Alors, Coquillaret, c'est une fille, on dirait hein, déjà. Ceci, c'est ça, ressemble à un mec. Désolé. Hein. Voyons voir, qu'est-ce qui me ressemble le plus? Oh, blond, j'aime bien blond. Bon, celle-là. Bon, ça va. Sans faute, toi aussi, hein. Ah oui, je suis cochon exilé, donc je vais voir le crayon de mon côté, hein. Quoi, je peux faire que les touches. On va faire que les touches. C'est où majuscule? Ah, voilà, c'est là. Alors, mais les accents, c'est cool, ça. Ça vient. Hein. Merde, j'ai raté une touche. Oh, j'ai raté deux même. Non, j'ai une. Voilà. Bah, c'est chiant d'être gaucher. Hein. Cherche le Y, bien sûr. J'ai pas de... Oh si, j'ai un petit cœur. Oh, c'est mignon comme petit cœur. Hop. Tout ça mimi comme ça. Ok. Transmettons tout ça. Ah, il y a mes copains là-haut. Un nom qui en jette, ouais, bof. Bon, on se verra à Alola. À tout à l'heure. Bisous. Au revoir, bof. Il va falloir commencer à préparer tes cartons. Eh oui, c'est vrai. On part.
En fait, je me demande si je vais mettre le son, parce que sinon j'aurai pas le droit sur les vidéos, je suis en train d'en réfléchir. Ouais, c'est pas grave, je mettrai un écouteur tout à l'heure. Mettre un peu de son quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lune. Et oui, c'est vrai que j'ai pris lune. Go. 3 mois plus tard, d'accord, c'est long. Première nuit à Alola. La lune est vraiment belle ce soir. Tant mieux, j'ai pris lune. Je pourrais admirer pendant des heures. Ouais, c'est peut-être pas bon, mais bon. Tous ces cartes ont déballé, ouais, tu m'étonnes. Miaou, sois un amoureux Pokémon. Va me chercher. Ah, ok. Faut qu'elle aille me réveiller. Enfin, il, c'est un chat, je suppose, donc ça mal, Miaou. C'est marrant qu'il aurait pu parler, vu que Miaou aussi parle dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, façon de parler, mais. Télécommande, Pikachu. Ah, donc en fait, elle doit habiller sur les draps, ok. Moi, je peux pas, mais bon. Chacun ses goûts. Miaou, miaou. En chaussures, en plus, et bah dis donc. Je te réveille ou pas? Et s'il faut que j'appuie sur un bouton? Ah non, c'est moi, ok, d'accord. Rapidos. Ce sont des cartons qui n'ont pas encore été déballés depuis le déménagement. Mais disons, il serait peut-être temps. C'est un carnet offert par papa, des instructions intérieures. Alors. Ouvrir le menu X. Bon bah donc ils ont fait X. Ok, option, vous voyez pas, c'est en dessous hein, évidemment. Vitesse de texte. Rapide, au pire comme ça au moins je lirai. Animation de combat. Ouais, avec style de combat, choix, c'est quoi choix? Vous permet de voir progresser ou non un changement de Pokémon. What? J'ai pas compris ça. Par on verra pas. Commande par défaut. Vous permet de choisir si vous voulez envoyer un Pokémon. Bah automatique, oui, tant qu'à faire. Ok. Oui, bon, c'était bon. Un globe. L'ONI, ouais, enfin pas trop. Pikachu! Une poupée cool, une souris en plus. Trop fort, c'est une poupée. Oh mais. Ah la Wii U. Ah. Qu'est-ce qui passe à télé? On peut voir quatre jeunes garçons marchant le long d'un chemin de fer. Bon, il serait peut-être temps d'y aller, non? Ouais, j'aurais voulu voir ce que c'était comme film. C'est une anecdote. Le Pouf Métamorphe. Et le Pokémon plumet préféré de Miaouz.
sont tous les deux couverts de griffures. Ah, le pauvre. Il joue dessus. Il miaousse. Miaou, miaou. Mignon, le sien. Et hop. Et on s'est bien rangé la cuisine. Ah, maman. Eh bien, ma chérie. Oui, donc c'est une fille, nous sommes d'accord. Tu dormais comme un ronflex. Maintenant que tu as récupéré. Ah, ok, en fait, j'ai plus deux fois. Okay. Je parais que tu as dû découvrir le monde d'Alola. Si tu le dis. Tu es toujours grincheuse au réveil. Tu m'étonnes. Tu vas adorer, tu verras. Alola, c'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les commandes ici sont naturels. Joueurs et guéris. Oh, peut-être. Ah, ça sonnait. J'ai entendu la sonnette. Sûrement le professeur Euphorbe qui sonne à la porte. Veux-tu aller ouvrir, s'il te plaît? Avant, on se met plein la lampe. Alola est devenue Malacéguste. Ah, une émission de pour manger. Parole, je n'en pas du tout. Rendez-vous demain. Ok. Ah, une chambre. Ah bah tiens, oui. Chambre de maman. Panier de miaousse. Tu m'étonnes. Un chat, ça dort dans les lits, de toute façon. C'est bien connu, ça. Hein. On peut rien faire d'autre? Il y a des robes. Bah heureusement, elle a des robes, maman. Quand même. Pas faire grand-chose, dommage. Non! Je voulais éteindre la lumière. Alors moi, je vais bien cliquer de partout, hein, pour voir ce que ça donne. C'est un fourgonneton tout neuf acheté à Alola. Oui, bah évidemment. Il est temps de préparer les courses. Ok. Ce sont des plaques de cuisson, électricité, d'accord. Mais du tout propre, j'aurais même voulu faire couler l'eau. Mais bon. Ah, on peut pas. Ok. Tu dois être qu'un petit dieu, je parie. Ah, c'est lui, ok. Eh oui. Ravi de t'en rencontrer en vrai, Miss. Moi, c'est Euphorbe. Content de vous voir ici, à Alola. Ça a été le voyage? Pas trop fatigué par le décalage horaire? Quanto à Alola, ça fait une... Oh, tu m'étonnes, hein. Mais regardez-moi cette lune magnifique, non? Bon, je suis tout la même voix, hein. Je suis pas très bon pour faire les acteurs, donc désolé. Très cher professeur Euphorbe, nous sommes arrivés hier. Hé, salut! Moi, tu peux dire bonjour correctement, mais bon. Bienvenue à Alola. Chaleur et farniente. Tout ça, tu m'étonnes de faire du bien. Professeur Euphorbe, je me souviens encore de vos combats contre le champion de Contour. Je me rappelle pas ça, un autre épisode. C'est en regardant que je suis devenu un fan de Pokémon à Alola. Et que j'ai décidé, en tant que fan, d'emménager ici. Ok. Ah oui, là-bas, j'étais venu à Kanto pour étudier les Pokémon locaux, tu m'étonnes. Mais je suis surpris. Mais je suis pris au jeu des combats. Champion, mon frère. Ouais, tu m'étonnes. Pas semble être champion. Oh, comme si Dieu. Si on allait visiter le village voisin, juste et moi. Ok. Le doyen, ah, de l'île est là-bas. Qui s'étouffera peut-être même. Oh, j'espère qu'on vous fera un Pokémon, hein, sinon c'est dur. Un doyen. Et un vieux. Ouais, alors là, chaque kill possède un doyen. Ah, ok. Une sorte de champion, en fait. Ils donnent leur premier Pokémon à tous les enfants de Lily. De Lily. Qui veut partir à l'aventure. Ok. Le doyen lui donner un Pokémon. Ah, bah, c'est gentil de sa part, ouais. Tu m'étonnes. Ouais, pour toi, oui, ton sac, ton bonnet. Je dis pas oui, bon, ça va consulter. Oh, tu portes des bonnets? Trop cool, j'ai hâte de voir ça, ouais, des bof. Je vais pas faire une casquette, hein, mais bon, malheureusement, hein, j'ai pris le bonnet, donc... Je n'y peux rien. C'est où?
Ah ben celle-là. Bien évidemment. Oui, on voit. Ouais, un bonnet plutôt noir, pas une casquette, pas grave. Bon, le sac en bandoulière, normal. Marrant ta tenue. Mignonne. Et voilà. Tout ce qu'il faut, là, vas-y. Ta mamounette. Marrant ça. Elle va ranger tous les cardons pendant que tu es par là et revient à tout doux. Ton nouveau Pokémon, oui, bah c'est le but. Trop cool le couvre-chef, ça te va bien, ouais, bof. On est à l'intérieur, hein, avec la petite chaleur. Ça fait nul. J'en préfère une casquette, hein, mais bon. Allez, go. Ta mère à avoir dans moi, du coup, t'emmènes, ouais, bah ouais. Dans ce cas, cap sur Lily. Lily. On va voir le doyen. On y va. C'est quoi ça? Un arrosoir? Ah bon, ok. Trop d'arrosoir, mais ok. On va pas se plaindre. Tout. Ah oui bah j'ai où je veux hein, non mais oh ils peuvent se promener. Un ou deux. Tout d'abord laisse-moi te souhaiter la bienvenue. Bah je te remercie. Ils vivent en harmonie et unissent leurs forces. C'est simple, oui bah oui, tout bête. Dès que tu as un Pokémon avec toi, tu peux aller où tu veux. La liberté totale, ouais, tu m'étonnes. On fait vite les rois de doyen. En route pour Lily, t'inquiète, c'est à deux pas. Ok. On se dépêche. Un conseil. Bah ça je vais déjà tester un hein, pour courir. Alors, on peut pas aller plus loin pour l'instant. Ok. Ils sont tous en short. Tu peux changer de Pokémon. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Tu penses à quoi, Allo? Ben, je connais pas, donc on va dire que c'est cool. Deux secondes, un peu de son. Ouais, il y a des bonnes vibes ici. Il parle Jones. Tu m'étonnes. Regardez, en voilà un dresseur qui est bien de chez nous. Dites-moi quelle capacité j'aurais utilisé pour gagner. Très bonne question. Eh bien, la bonne capacité, c'est celle qui te plaît, qui te paraît être la bonne. Ouais, tu parles de réponse. Reviens-moi voir quand. Quand t'as ta cap, on fera un combat, ok. En gros, il dit pas laquelle est la meilleure, quoi. Chacun pour celle qui veut. Ah, c'est un Pikachu, ça. Avec une Pokéball, ok. Quand tu peux voir, tu peux t'aventurer dans les autres herbes. Ouais, bah c'est le but. Pour attraper les sauvages, ok. Ah, un combat. Tu peux composer une équipe pour affronter d'autres ta sœur. On dirait Miaouss. Je sais pas. Moi. Viens te battre contre moi dès que tu pourras. Oui, bah attends, j'ai pas de Pokémon. Il n'y a pas de dire les Pokémon, ça crée des liens. Bref, Lily, c'est juste là, en route. Ok. Désolé, je tape en même temps. On est arrivé à Lililis. Bah, une sorte de forêt ou grotte, je sais pas, peut-être forêt. Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tokoriko.
Cocorico, on dirait la France, marrant ça. C'est lui le gardien de l'île de Melmel. Ok, donc en fait l'île s'appelle Melmel, ok. Oui, Lily, elle n'a pas posé un loc-pin. Marrant celle-là. Avec le jeu de mots, tu m'étonnes. Elle a dû partir explorer le sentier de Ma Allo. Derrière le village, ah, c'est là-bas en fait. Ah, c'est ça, ok. Donc en fait, une sorte de sentier forêt. Si ça te dérange d'aller voir le doyen de l'île tout seul, je vais rester là-bas au cas où une assistante pourrait pointer son boutonnet. Ok, bon, moi bah, j'y vais tout seul. Je peux me reconnaître, ce serait dommage que je me perde quand même. Alors, qui c'est qui est là? Mon petit frère d'or. Ah, on peut rentrer, cool. Oh, c'est chez des gens, ça. Ok. Mignon, ça. Aujourd'hui, on va s'en mettre plein la lampe. Voilà, bienvenue à... Encore? Tout le monde, bah ouais, tout le monde regarde la même, en fait. J'imagine. J'imagine. On joue, bah c'est le but, hein. Ah, avec le chien, miaou. Non, c'est le wouf-wouf, c'est le meilleur des gardes du corps, ouais, peut-être. Marrant ça. Ah, alors c'est quoi? Okay. Ah, c'était simplement un lieu d'accueil, ok. Ah, je sais, je suis chiant, mais j'aime bien tout visiter. Un petit couple. Avec des Pokémon, il pourrait développer cette région. Oui, bah pourquoi pas. Bon, je vais pas cliquer, c'est encore à la télé. Hop. C'est par là en fait qu'on va. C'est ça? Non, c'est par là, ouais, exact. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on dirait une arène là. C'est quoi là? Mine... Ah, mais c'est là qu'il voyait en fait. Ok, bon, on verra plus tard. Ok, donc là c'est les ruines. Ok. Bon, je suppose que c'est une accès à la ruine. Ok, de toute façon, j'ai pas de Pokémon, donc on s'en fout. Et on marche tranquille. Hein. C'est là qu'on faisait le taureau, je crois. Sort pas du sac. Qu'est-ce qu'elle cache dans son sac? Bonne question, me direz-vous. Bon, on va se dépêcher un petit peu quand même, hein. Il suffit de marcher, donc c'est pas non plus hyper dur.
Bon, moi je crois que j'ai pas le choix, hein. Faut que j'aille lui parler. Il me semble bien. Bah, qui c'est déjà, oui. Je parle pas aux inconnus. Je suis. Ah, c'est pas le moment, d'accord. Il est en danger, tu dois le sauver. Doudou? Marrant comme nom, ça, Doudou. Pourquoi il est allé là aussi? Il est bête. Ces Piaf et Bec sont en train de l'attaquer, mais j'ai trop peur d'y aller. Ah bon? Mes jambes refusent de bouger. Non, bah, elle a le vertige. Bon, bah, faut quoi? Oula. Ah, on peut tomber? Ce serait marrant qu'on tombe, non? Non, je pense pas qu'on puisse tomber. Ce serait trop marrant. Donc, faut y aller en marchant. Ok. Oh. Désolé, je tape en même temps, hein. Mais bon, on parle, donc faut que je réponde. Alors, piouf. Oh, quelle frayeur. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs. Mais enfin, tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu as tellement été épuisé que tu n'arrives même plus à bouger après. Je ne veux plus jamais te revoir comme ça, Toudouf. Je me sens tellement coupable. Ah bon? Tu sais ce que tu as fait, ça, pour me sauver la dernière fois? Dire que moi, je ne suis même pas capable de te protéger. Bah, c'est ta faute aussi, il compte partout. Ah, il trouve un truc. What? Mettre un peu de couleur, hein. De la lumière, désolé. Hop, bon, vous verrez pas, mais c'est pas grave. Alors, une pierre. Cool. Une pierre qui brille. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Alors. T'es qui au juste ou t'es. Oui, t'es qui quand même depuis tout à l'heure? Encore? Elle veut pas me dire qui c'est. Oh, elle chante. Cette pierre te revient, je suppose. Bon, je sais pas, mais merci quand même. Une lumière, ok. Bon, je sais pas, on verra tout à l'heure à ce que ça sert. Pourrais-tu garder ça secret pour tout le monde? Ah bon? Pourquoi? Elle veut que personne ne le sache. Ok. Allez, piou-piou. Dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se nous voit attaquer, si tu voudrais bien nous accompagner jusqu'au village. Ok, bah si tu veux. Là, on va juste regarder. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo, quand même, ça commence à être long. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, mettre un petit pouce bleu. Et puis à mettre des commentaires si vous voulez. Voilà, je vous remercie, bisous à tous.